Et salut à toutes et à tous, ici Dr Guidon de chez Bidon TV Productions et on se retrouve ici pour la dernière vidéo de la soluce de Super Punch Out sur Super Nintendo. On va entamer le spécial circuit qui est le dernier circuit du jeu. Maintenant, on va combattre la crème de la crème. Le premier c'est un prince qui ressemble à Sanji. Alors si vous avez vu mon test, vous savez comment le battre. Alors, il faut probablement essayer de le frapper le visage pour l'énerver. Alors, vous bloquez ça comme ça. Coup de poing dans le ventre, visage, et là il va s'énerver, et vous esquivez, et vous le mettez à terre après. Et voilà. Et ben KO super rapidement. Ben là il va reprendre ses esprits. Il va falloir refaire le même procédé quoi. Ben, on est prêt. Voilà. On a presque fini avec lui. Oh, c'est très lent, vous avez le temps d'esquiver. Et par contre il fait mal. Donc faites très attention à ses coups. Et voilà, 46 secondes. Excellent temps. Pourtant c'est l'un des derniers et pourtant il est très très simple. Moi je l'aurais mis dans le wall circuit. Une fois que vous connaissez la technique, c'est facile. Maintenant, le prochain, c'est un... Oh là, ça lag déjà. C'est le... un pépé chinois. Sauf que lui, il a une canne. Et ce qui est interdit à la boxe. Alors, je sais pas pourquoi, mais l'arbitre ne voit rien. On va bloquer comme ça. Hop. Je connais ses coups par cœur. Je sais pas c'est quoi son point faible, je pense que c'est le... Ah, le... Bon, j'ai évité de parler pour me concentrer. J'ai failli me le prendre. Alors il a des attaques plutôt rapides, bah, je dirais le ventre. Et il a l'air d'avoir très mal au ventre quand on l'attaque ici. Bon je peux me tromper aussi. Et voilà. Bon, on enchaîne là. On va le terminer. Et voilà. KO. Ouais. Ça lag plutôt entre les combats. Bon, tant mieux, hein, comme ça me gêne pas. C'est excellent. Bon j'aurais pu faire mieux mais c'est pas grave. Alors là on va maintenant c'est les plus durs maintenant.
Ah, lui, il fait très très mal. Faites très attention. Ah, j'ai pas eu le temps d'esquiver, c'est pas grave. Mais que là, il a comme fait mal à mon poing. Je peux pas utiliser tant qu'il est rouge. Là, je peux. Des fois il va encaisser puis il va vous donner un coup après. Faites très attention à ça. Quoi? C'est pas possible! J'ai esquivé! C'est pas grave. Moi je préfère attendre qu'il attaque. Comme ça, bah, ça me laisse tout le. Ça me donne plus de chance de pas avoir des coups quoi. Si le fait que je filme, ça m'aide pas non plus. Je vais l'esquiver. Oh ouais. Bon, on va le mettre encore à terre encore une fois. Voilà. Bon, c'était bien, mais je vous jure que là je comprends pas pour comment il y a eu la... Pourtant j'ai esquivé le coup. Il y a eu un lag en même temps, alors c'était peut-être à cause de ça. Vraiment. Faut vraiment que ça lag quand il faut. Quoi. Bon, on va tamer le dernier, son frère, Nick Bowser. Bon, on va voir ce qu'il vaut. Bon, il a à peu près les mêmes techniques que l'autre, sauf qu'il est, je trouve qu'il est plus lent, mais il fait plus mal. Vous voyez que quand avant qu'il attaque, mais il fige. Alors ça me donne un petit truc pour savoir quand il attaque quoi. Ce qui le rend, je crois, plus facile. Voilà, c'est par contre, je n'ai pas vu venir. Oh putain, il n'était pas rempli ma barre. Tant pis. Il peut être surprenant là, comme là j'ai failli me faire avoir. Ça va bien pour l'instant. Oh non, ça lag. Pas maintenant, s'il te plaît. Moi, j'ai de la chance. Et voilà. Profitez-en pour lui donner un coup entre chaque coup. Entre chaque à chaque fois qu'il fait. Entre deux coups qu'il va faire. Profitez-en pour lui donner un coup dans le ventre. Généralement c'est payant. On a presque fini. Ah dommage, je l'aurais mis KO. Tant pis, j'ai eu. Ah. Et je crois que j'ai fait un perfect là. Contre lui. Un très bon temps. Bah là je peux vraiment pas faire mieux en... On va dire bon je peux faire 1 minute 11 une fois, mais bon on va dire que pour cette fois on va dire que c'est bien. Oh, je me suis quand même bien débrouillé à part qu'on m'a mis KO une fois, mais bon c'est pas grave. Alors,
D'accord, ben voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Bon ben, c'était sympa à faire. C'est la deuxième fois que je fais cette Solus, quoi. La première fois, c'était sur Dailymotion. Si vous voulez, le voir, allez sur ma chaîne Dailymotion. Et puis, amusez-vous bien, quoi. Je veux dire, j'étais moins... Je dirais que je me suis quand même super bien débrouillé. En tout cas, surtout dans les deux premières vidéos, j'ai quand même pété des scores facilement. Par contre, sur le World Circuit, j'étais un petit peu déçu parce que je me suis quand même un petit peu moins débrouillé, surtout sur le dernier. Mais là, sur le dernier Special Circuit, je me suis quand même bien débrouillé et je suis satisfait. Et oui, voilà, et je remercie à tous ceux qui m'ont soutenu durant cette Solus. J'ai entamé une nouvelle Solus. Je sais quel jeu je vais faire. Je vais pas vous le dire, juste pour vous laisser la surprise. Et puis ensuite, j'espère que vous continuerez à regarder mes vidéos et de vous abonner. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Je le mérite. Je mérite le pouce bleu pour ça quand même. Et partagez la vidéo. Et si vous voulez nous faire un peu de pub sur Facebook ou sur un des forums que vous êtes, allez-y, hein. Ça me dérange pas. Ça vous aidera à améliorer la chaîne et à la faire évoluer. Et allez voir aussi la Solus de Portal ou le Let's Play de Portal, Portal de Jérém. J'ai vu la première vidéo, c'est sympa. Puis j'espère que vous aimez les énigmes parce que c'est un très bon jeu d'énigmes. Voilà, j'ai tout dit ce qu'il y avait. J'ai aussi remercié Ban pour les commentaires qu'il met et qui continue à regarder mes vidéos, d'accord. Et puis merci. Charles Martinez, c'est le gars qui fait la voix de Mario. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Et je vous laisse les crédits jusqu'à la fin. Et ensuite, on se revoit pour une prochaine vidéo. Donc à plus.